Bon, donc là, on a fini de percer le cœur du crayon et maintenant on va les tarauder à l'intérieur. Donc, toujours à l'aide du guide. Mets ton guide. C'est bon. Thank you.
troisième et dernière étape. Donc on a percé, on a taraudé, on va insérer notre tige filetée avec la petite massette inertie. Le guide est toujours bien présent sur la culasse. Donc on vient visser la tige filetée dans le cœur du crayon. On va taraudé. Donc on précise bien évidemment hein, que c'est du travail d'orfèvre, hein, si je puis dire. Il faut bien sûr prendre son temps, calmement, y aller vraiment par étapes, tout doucement. Tout ça pour nous éviter bien évidemment un déculassage. Serre un peu ton guide, regarde si tu peux le bouger là, si on est sorti un peu. Hein. Donc là on a affaire à un crayon coriace, hein. Il est bien grippé. Hein. Et donc on a réussi à l'extraire. Encore une fois, il s'agit vraiment de travailler calmement, ne pas s'énerver, on travaille avec des tout petits forêts, c'est du petit matériel, c'est vraiment de la mécanique de précision. Mais donc on est sur un DV6 là, c'est vraiment la maladie, les bougies de chauffe là-dessus. Donc en cas de problème, voilà la solution, donc OM 3769. Voilà.